Salut, salut, c'est Biloulette et Flambus. Salut, Salut Flambus. les amis, salut Biloulette. On se retrouve donc pour la deuxième partie de ces petites explications découvertes de la mise à jour 1.8. Et on va vous présenter là les différents biomes. Voilà, exactement Bilou. Alors déjà, notre point de spawn se situe donc dans un biome marécage. Donc là, Ça, c'est cool. voilà, donc nous sommes dans un biome marécage. Alors, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de petits étangs peu profonds, de un bloc de profondeur, je crois. Comme ceci. Donc vous avez des arbres qui poussent au milieu de l'eau, pas mal de petites îles. Et surtout, sur ces arbres, nous avons les fameuses lianes qu'on vous a présentées précédemment. Comme ceci. Penser, mais je trouve ça trop joli. J'adore ce biome. Voilà, et donc vous ne pourrez que trouver les lianes sur les arbres du biome marécage, à vrai dire. D'accord, on les trouve nulle part ailleurs. Voilà, donc c'est un biome humide avec beaucoup d'eau, pas mal d'îles et tout ça. Donc pour rester dans le domaine de l'eau, nous avons un nouveau biome qui est le biome océan. Voici Océan. un océan. C'est pas crédible, mais bon. Avec un trou. Attends, je Voilà. recule pas, hein, parce que là, Ah c'est oui, oh trop merde. mal. Ah oui, oh, ah oui, il est profond. Et Merde! c'est océan, et c'est extrêmement profond. Profond, puisque la profondeur maximale est de 20 blocs de profondeur. Ouais, donc genre 20 blocs, t'arrives au fond, tu remontes pas, quoi. Voilà, à savoir que des fois dans les océans il y a des crevasses tout au fond. Ah ouais? Et ouais, donc les crevasses sont n'importe où. Donc ça m'est arrivé de sortir par des crevasses sous-marines. Donc les caractéristiques des océans, des océans, pardon, c'est qu'ils sont très grands, plus grands que les mers précédentes. Il y a beaucoup beaucoup d'eau et aussi, oui, Et excuse-moi, je te coupe parce je t'en qu'après il n'y prie. aura plus le soleil. Regardez les couleurs, les nouvelles couleurs de Minecraft. Regardez le coucher de soleil. Alors, bah, je... Ils ont changé le HD et ils ont changé les couleurs. Voilà. Et regardez-moi ça, c'est juste une tuerie, je trouve. Alors, Alors tiens, excuse-moi, je t'ai coupé, mais bah, après laisse-moi. surtout, ne bouge pas. Regarde-moi. Sans bouger, regarde-moi. J'ai pris un screen, c'est une tuerie. Avec le soleil couchant. Bon, merci. Donc, voilà. N'abuse pas! Non, mais je rêve! Oui, Je donc, croyais que avancez. tu voulais me monter un truc, tu sais. Je sais pas, moi, la couleur de mon visage va changer, ou je sais pas. Oh non, ça c'est peut-être pas un prochain épisode. Donc, alors aussi, dans les océans, quand on va dans l'eau, je te conseille d'aller dans l'eau, il y a des petites particules, des petites bulles d'air dans l'eau. Quand on Et on bouge. peut s'en servir? Pas du tout. D'accord, c'est Mais juste pour faire ça. voilà, donc on. Alors peut-être que c'est des bulles d'air, peut-être que c'est du plancton, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est sympa. Ça Alors, sert. voilà, et pour revenir aussi sur ce que disait Bilou du système de couleurs, maintenant on a de nouveaux moments dans la journée. Avant on avait le jour, la nuit. Maintenant on a le matin, l'après-midi, le soir et la nuit, finalement. Avec des vrais changements Ah, de... c'est vraiment très caractéristique. Quand tu vois le soleil se lever, les lumières sont plutôt ternes. Après donc le jour c'est comme on est là quoi. Et pour le soir bah on voit bah tout s'assombrit beaucoup et ça le coucher de soleil dure beaucoup plus longtemps en fait. D'accord. Et c'est beaucoup plus bah c'est mieux quoi, c'est plus réaliste. Réaliste, quoi. Voilà, alors tiens, je vais mettre la nuit pour te montrer quelque chose aussi de très appréciable. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute de frappe. Voilà. Alors je t'invite à te guiver des torches pour montrer quelque chose. Alors ça, c'est le nouveau Toujours nouveau. Cleaning Themes, donc en fait qu'on a dans le mode créatif. Hein. Voilà, donc on va revenir dessus tout de suite après d'ailleurs. Donc alors, on place une torche et bon là ça se voit pas trop mais le système d'éclairage a été changé aussi pour la lumière parce que les torches éclairent jaunâtre en fait. En effet, Donc et elles ont des ombres différentes. voilà, et même quand on Ouais. voit la nuit, ça a une teinte un peu plus bleutée, je trouve. C'est peut-être une impression. Ouais, je sais pas. Par contre, en revanche, effectivement, il y a un halo qui est différent. D'ailleurs, on le remarquera plus quand on ira voir les crevasses. Donc, ça, c'est un nouveau système d'éclairage tout à fait appréciable. Donc, au début, ça fait un petit peu laguer par moment, mais le PC tient vite. Donc, là, même, tu vois, j'ai remis le matin et les couleurs sont tout petit peu plus ternes que le jour. Oh, des Endermans. Où ça? Là-bas, Merde! viens. Ah merde! J'aurais pas dû me remettre le jour. Et en plus, il pleut. Donc là, vous pouvez voir deux Enderman qui viennent de se faire Ah, descendre t'es par la mort. pluie. Ah non, il y en a un qui est Bah tiens, planté. Viens, on va les voir. alors surtout, ne le regarde. Merde. Ouais, je sais. Alors, faut pas le regarder dans les yeux avec votre viseur. Merde. Tu peux enlever l'eau parce qu'ils vont crever. Voilà, alors par contre,
Alors voilà, si on ne les regarde pas, on va mettre un peu de lumière par contre. Weather, Sunny. Viens me voir, chouchou. Ah, je crois que Voilà. j'ai pas le plugin, je Donc peux pas là, remettre le. ah, on ne le regarde pas. Ah, Bah, il va mourir, tout à fait. je peux pas Et remettre si on le le soleil. regarde, hop, alors là, il ne devrait pas être content. Bon, il est mort, il est Donc, revenu. ceci est ce qu'on appelle un fail en fait. Et Et. ça, c'est la boule des Enderman. Enderman Pearl. Voilà, donc qui pour l'instant ne servent pas, Voilà. mais qui serviront dans le futur, dans de Voilà. futures mises à Et jour. d'ailleurs, Bilou, regarde, cet arbre a été sauvagement violé par les Enderman parce que les Et Enderman toi, tu prennent vas des te faire blocs. violer par un. Non merci, en fait, Par un copain cubique. un skeleton. Donc exactement. Donc l'arbre a été complètement défoncé par les Enderman qui prennent les blocs en fait et les Voilà. reposent un peu n'importe où. Alors, le problème des Enderman, c'est quand ils sont à côté de chez vous, parce qu'ils font la même chose avec vos maisons. Voilà. Et donc là, nous avons de l'XP, donc que mes abonnés n'avaient pas eu l'occasion de voir, Ah ouais. l'occasion de voir et qui se dirigent vers vous, Regardez comme ça. ça. Ah, elle vient vers toi, en fait. Voilà, oui, elles sont attirées par ton charme naturel, vois-tu. C'est ça. Voilà. Donc là, un petit creeper. Tiens, encore une bibliane Et d'Enderman. donc, bah, pendant qu'on y est, on va parler vite fait du mode créatif. Alors, quand on est dans le mode créatif, on n'a pas la barre de faim, on n'a pas la barre de vie, on n'a pas la barre d'XP non plus. Donc, on ne peut pas perdre de vie. Voyez là, je savate Biloulette sans qu'elle perde de vie. C'est complètement incroyable. C'est ça, moi je te savate également, il ne se passe Voilà. rien. Et d'ailleurs, en passant par là, autre parenthèse, fais clic droit avec l'épée. Ah oui, C'est la mais alors parade. ça, j'ai essayé, mais c'est la parade quand tu te fais taper par un mec cubique, mais ça marche pas avec les mobs. Bah, on va essayer. Bah, Vas-y, j'ai. essaye. Alors, par contre, il faut se remettre en survival. Donc, je te remets en survival. Game mode Ok. biloulette. Je viens là, la poule me donner un petit poulet. C'est bon. T'es en survival? Ouais. T'as. Ok, Alors, donc vas-y. vas-y. Parade. Merde, attends, parade. Vas-y, parade, j'ai dit. Ah, merde. Tape-moi. Ça marche pas, hein. Bon, c'est nul. Je te remets en créative, ma chère Ouais, biloulette. et ça marche pas non plus. Avec les mobs, Ça, j'ai c'est essayé. bon. Ouais, moi j'ai essayé. Alors, faudrait essayer avec les squelettes pour J'ai voir essayé si leurs également, flèches, enfin, ah ça ouais. marche pas non plus. Non, ça marche pas, je crois. Alors peut-être Alors, que. je comprends pas. Voilà, moi non plus. Donc alors le mode créatif, donc vous n'avez plus votre barre de faim, ni d'XP ni de vie. Et en fait, c'est un mode dédié entièrement à la construction. Déjà, Alors, vous. chouchou, par contre, je te recoupe, excuse-moi, Oh, mais tu voulais excuse-moi. leur montrer les Je crevasses t'en prie. dans ce biome-là, non? Alors la crevasse, oui, elle est là-bas. Donc on va en profiter pour dire qu'on peut voler en mode créatif en appuyant deux fois sur la barre d'espace. On peut voler comme ça. On peut sprinter à l'infini. Donc on perd pas de vie. Le mode créatif, on peut casser les blocs en un coup. Comme la pickaxe, en fait, ouais, c'est Voilà. cool ça. Vous n'avez pas d'inventaire, mais vous avez un too many item inclus dedans, en fait, Voilà, comme dans le ça. créatif. Donc c'est entièrement dédié à la construction et au test. Donc alors, un autre biome ici présent, la crevasse. Alors, comme on a créative, on va pouvoir explorer ça comme ça. Donc on descend avec sneak. Donc Donc là, la touche majuscule. voilà. Attention, Creeper! Mais Where? en mode créatif, il y a des méchants. Ah oui, c'est exactement la même map, mais sans qu'on puisse perdre de vie, en volant et voilà, tout ça. Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de bête, Donc moi. les crevasses sont des grosses failles naturelles en fait, qui apparaissent n'importe où, sous l'eau. Dans le désert, dans des villages de PNJ, dans l'eau, sur terre, dans l'espace, chez les écureuils, bon, bref, partout. Et donc là, on peut voir un petit peu plus que le système d'éclairage a été changé. Quand tu te mets à mon niveau, Bilou, et que tu regardes la faille, on Ouais, voit, ouais. T'as raison, c'est bleuté. c'est un peu plus jaunâtre, plus usé, enfin, c'est vraiment bien. Donc voilà. Et donc là, on peut voir une liane qui pousse. La liane là, elle va pousser jusqu'au sol, quasiment. Ici. Ouais, c'est clair, elle va descendre, puis Voilà. elle va tapisser en fait au final Ouais, toute voilà. la crevasse. Et donc les crevasses comme ça, elles peuvent être très très profondes. Elles peuvent être. Donc là, vous voyez, vous avez la mer qui se déverse carrément dedans. J'ai déjà vu des crevasses entièrement recouvertes de lave au fond. C'était magnifique. Donc elles peuvent être de taille et de formes différentes. Bon, bref, c'est vraiment des canyons en fait, les crevasses. Et c'est assez sympa pour accéder directement au sous-sol et à des cavernes. On va se balader un peu ou pas Dans la en volant? crevasse, eh bien si tu veux. Non, 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 dans les biomes. Dans les biomes. Ah oui, donc oui, c'est vrai, on doit montrer les nouveaux biomes à nos abonnés. Et comme le prochain biome n'est pas à la porte à côté, je te propose de faire une petite ellipse. Pas de souci. Eh bien, à tout de suite, les amis. À tout de suite. Alors, Bon, vas-y. voilà, donc là, on était sur le trajet vers les biomes. Et on a trouvé un ami, un cochon avec
Un Un groin. Et voilà, les groins sont en relief. Donc ils ont un peu l'air ridicules, mais c'est plus réaliste. Et... Ah, c'est... Moi j'aime bien, je trouve marrant avec son petit groin, petit bonhomme. C'est un petit bonhomme. Oh oui, il est mignon, surtout moi. Il y en a un autre là, il y a son copain. Il y a son frère. Bah d'ailleurs, pendant que il tu m'as. Il aurait pu leur faire la queue en tire-bouchon aussi, ça aurait été marrant. Pourquoi pas? On va envoyer un message à notre fais la queue en tire-bouchon. Allez hop, j'ai grimpé moi. Ouais, alors tiens, on va aussi remarquer ici, les amis, qu'on a une forêt de pins dans un biome herbe. Donc maintenant, voilà, les forêts de pins ne se limitent pas au biome neige en fait, tout simplement. Voilà. Alors donc, ici on accède à un autre biome, le biome montagne. Ici. Avec des plus grosses. Voilà, plus grosses et plus distinctes. Avant, les montagnes, c'était des petites collines qui surgissaient comme ça, qui augmentaient des fois, qui se rabaissaient quelques fois. Voilà, c'était assez brouillon. Maintenant, c'est vraiment des grosses bosses dans le paysage, quoi. C'est beau. Ouais, j'ai un petit bug de chunk, ce qui fait que c'est moins beau. Mais. Ah, allez. Donc, la map charge chez moi. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est assez sympa, il y a beaucoup plus de relief, quoi, donc dans le biome montagne. Alors là, sur votre droite, vous pourrez apercevoir le biome plaine. À ta droite, Bilo. Je t'ai perdu, tu dois être derrière la colline. Ah oui, tu es là, elle est là. Donc ça, là, c'est le biome plaine, ok. Le biome plaine, ici présent. Alors, oh, il y a un village. Et oui, voilà, il y a un village aussi ici, parce que bon, je vous cache pas, j'ai exploré la map avant pour repérer les biomes. Donc le biome plaine, les particularités sont qu'il est très plat, d'une, et il n'y a pas d'arbres, de deux. Donc, ce qui fait que c'est très très bien pour construire des villes. Hein. Voilà. Et donc c'est embêtant de spawner ici, quoi. Un petit peu, parce qu'il n'y a pas sans arbres, c'est vrai. Donc retourne-toi, et là on voit bien la montagne. On voit bien le changement du biome montagne. Alors, le village de PNJ, donc un mouton, prends ça. Donc les routes sont en gravier, d'une. Et il n'y a pas de porte aux maisons en face. Donc il y a pas mal de types de maisons différentes. Donc là, on a le premier type, la maison un petit peu merdique, toute petite. Et d'ailleurs, quand on rentre dedans, il y a un éclairage assez étrange. Rentre là, ici, là, en face, voilà. Et tu vois pas une chose sur le sol, ouais, hein. C'est assez stylé. Donc on a la maison avec toit en bûche. Et côté en cobble, vous avez la maison avec tous les angles en bûche et tout en bûche comme ceci. Donc elles sont aussi petites. Hein. Donc avec un escalier et une table. Alors ça, c'est énorme. Dans la 1.8, nous avons des plaques de pression sur des barrières. Ce qui fait des vraies tables. Donc on avait les pistons. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, donc ça avant, c'est. Avant, on était obligé d'utiliser. La baguette magique. World Edit pour pouvoir faire ça. Maintenant, vous pouvez poser. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre une plaque de pression et hop, donc une plaque. Et la voilà. Et une barrière. La voilà. Et donc maintenant, je vais. Excuse-moi. Je vais juste sortir pour que ça se voit mieux. Que j'arrête de me mettre en F1, ça pourrait être bien. Hop. Non, pardon, ici. Et. Hop! Ce qui fait donc une petite table. On va pouvoir faire des petites tables de bar, des petites tables diverses et variées, qui sont plutôt sympas. Voilà, alors donc nous avons ici tout, donc ces petites maisons. On a aussi dans les villages de PNJ des fermes. Alors les fermes, elles se caractérisent par des bassins de bois, avec des allées de cubes de blé. Fait, tout simplement. Donc le blé est déjà planté. Donc l'avantage, il n'y en a qu'un seul, c'est que quand vous arrivez là, vous pouvez tout simplement prendre le blé. Et c'est assez pratique. Mais comme on est en créatif, je récolte rien. Ah oui. D'accord. Donc voilà. Par donc, contre, c'est vrai qu'on arrive là, on a à manger. Quoi. Voilà. On a des maisons. Ici, on a un puits, franchement, qui est pas vilain pour des PNJ. Ouais, il est sympa le puits. Donc, et qui est assez profond. Quand même. Pourquoi il a passé la porte ? Hop. Et le puits est assez profond. Et donc là, on a. Donc là où est Biloulette, nous avons des nouvelles maisons. Donc des maisons un peu plus grandes et plus recherchées. Donc là, je suis dans une maison avec une table en plaque de pression et barrière, des vis escaliers et un petit bar en demi-dalle lisse. Et dans voilà, la maison. Moi, j'ai des bibliothèques. Voilà, dans la maison où est Bilou, il y a des bibliothèques, des canapés et des tables barrières, plaque de pression. Alors, il y a une église. Alors ce n'est pas une église, c'est une tour de guet en fait.
Pourquoi quand je clique sur la porte, elle se pète? Parce que tu cliques avec clic gauche et comme nous sommes en créative, tout se casse d'un seul clic. Ah, mince. Vois-tu? Donc, bah tiens, tu peux monter tout en haut. Bah, la tour de guet, c'est pour faire le guet, alors pas la folle, mais le guet pour voir un peu ce qui se passe dans le village. Et puis. Et ça ressemble quand même vachement à une petite chapelle. Hein. Voilà, et donc les murs de maison, franchement, pour des PNJ, c'est pas vilain quand tu te retournes là. Ouais, je l'ai non plus. Mais... ouais, mais. Enfin, voilà, avec Cobble, j'ai un peu du mal. Hein, c'est vrai, et donc par contre, ils ont eu la bonne idée d'utiliser des fenêtres vitres. Ça, c'est bien. Ouais. Et celle-là a eu un aménagement différent, donc avec des bûches de bois, planches, bûches de bois, fenêtres. Et par contre, elle n'est pas meublée, je trouve ça triste. C'est triste. Mais c'est parce qu'il part du principe que tu vas l'investir. Voilà, et en plus, il part du principe que à partir du moment où... Oh mince, j'ai épousé Viloulette, sacrilège. Oh, regarde, il y a de la lave. Un lac de lave apparent, ah oui. En effet. Alors oui, c'est pareil, il y a beaucoup plus de clay sur les vapes maintenant. Ouais, sous la mer, il y a beaucoup plus d'argile, c'est vrai. Donc là, ouais. Je crois que j'ai bah oui, là, il y a deux nappes. Une nappe ici, une autre nappe là-bas. Alors je voulais finir avec le village de PNJ sur le fait que c'est assez risqué parce qu'il spawn n'importe où. A noter que là, vous pouvez déjà voir que les petites fermes, les petits champs de blé ont spawné dans l'eau. Et c'est très embêtant parce que des fois il y a des villages entiers qui spawnent les pieds dans l'eau. Donc ok, ça fait un peu Club Med, mais question réalisme, c'est pas terrible. Voilà, donc des fois il y en a qui spawnent au-dessus des crevasses, c'est un peu embêtant. Après il va y avoir des mises à jour. Voilà, des bugs fixes. Et là, ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je viens de voir un lampadaire. Oui. Il est moche. C'est ça. Voilà, s'ils avaient eu la bonne idée de mettre de la clawstone en dessous, ça aurait été mieux, ça m'étonne pas qu'ils soient tous morts les PNJ. Alors bah tiens, en parlant des PNJ, Notch a prévu de les ajouter dans la 1.9. On ouais. pourra normalement faire prospérer les villages ou les nuire. Normalement. Donc voilà, donc il y a cette amélioration là parce que les villages de PNJ sans PNJ, ça manque de charme. C'est clair. On va dire ça comme ça. Donc les villages de PNJ, donc à savoir que là on a tous les bâtiments sauf la forge. La forge qui se caractérise par la présence des grilles qu'on vous a montré précédemment et d'une petite source de lave en fait, tout simplement. Tu vas en voir une là ? Alors je sais pas où il y en a des forges, mais là je t'invite à venir voir ça puisqu'on a des fleuves ici. Donc tu me vois ? Oui voilà, tu me vois. Donc ici donc oui. les fleuves, ça c'est pas un biome à part entière, mais c'est des courants d'eau stagnantes dans les biomes, absolument dans tous les biomes. Oh la vache, ah ça c'est beau. Donc voilà, les maps Minecraft ont beaucoup plus de fleuves. Donc là, je suis au-dessus d'un fleuve qui parcourt un biome forêt en fait. Ouais, ça c'est sympa parce qu'on peut faire des petits ponts, des maisons dessus. Ah oui, c'est très beau. Et qui débouche dans un étang ou bien dans l'océan. Voilà. Alors, sur ce, Bilou, je pense qu'on. Je vais te proposer de faire une petite ellipse à nouveau puisque nous allons nous rendre dans une mine désaffectée. Pas de soucis. A tout de suite. À tout de suite. Et on se retrouve en compagnie de Biloulette pour aller explorer une mine abandonnée. Donc, Alors tout ça est naturel, hein, comme oui, vient de dire Flambus. Je tiens à préciser. C'est pas lui qui a creusé ça. Donc je suppose que c'est en bas là qu'il faut aller. C'est... Alors en fait, j'ai placé des torches en redstone, donc il faut suivre les torches en redstone. C'est par ici. D'accord. Donc à l'aventure, nous nous enfonçons dans les entrailles ténébreuses et terribles de la Terre. C'est bien que tu aies fait un repérage, donc bien assuré, bien préparé. Là, je voulais préparer le truc. Donc, voici deux en un. Des araignées bleues. Une crevasse et une mine abandonnée. Donc alors, un creeper, deux creepers. Deux creepers, donc double câlin pour Biloulette. On peut voler, là ? Bah parfaitement. D'accord. Donc alors, les caractéristiques de la crevasse, on les a déjà présentées. Ce sont des failles vides. Et les caractéristiques de la mine, bah tiens, là... On va peut-être mieux voir ici. La mine, il y a des structures en bois, comme ça, sous lesquelles passent des rails. Et vous pouvez même trouver, dans ces mines, des coffres. De l'or ! Ah oui, de lapis, de la redstone et de l'or. Et des fois, tu peux même trouver du diamant, ma petite Bélo. Ouais, je sais. Donc c'est assez tu bien. Tu peux trouver des araignées bleues aussi. Des araignées bleues qui t'empoisonnent quand elles te piquent. Ouais. Il y a des spawners à araignées bleues, enfin bref, c'est assez énorme. Alors, si t'es pris dans une toile, casse-la en un clic. Voilà, ce sera plus facile. A savoir que les mines abandonnées est un méandre labyrinthesque et dangereux. Bon, tu peux aller dans la lave, y'a aucun risque. Ah d'accord, on est en slash bug. Nous sommes en créatif, ma chère Biloulette. Donc ça fait l'équivalent du bug.
Voilà, donc on ne prend aucun dégât, nous sommes des dieux. Enfin, plus que d'habitude. Et donc les mines, c'est vraiment tout un labyrinthe avec comment dire, tous les tunnels qui se rejoignent, comme vous le voyez. Et en plus, quand il y a une crevasse qui passe en plein milieu, inutile de vous dire que c'est assez épique pour s'y retrouver. Ouais, dis donc, ça doit être quelque chose, tu dois être paumé là-dedans. Voilà, donc vous pouvez trouver plein plein de trucs. Donc il y a des rails, des structures en bois qui les entourent et souvent des coffres, donc. Ah là, on a une. En fait, on a une fissure en plus. Voilà, ouais, on a la mine et la crevasse, ce qui fait que La c'est neige. assez épique. Bon, là, d'ailleurs, on a une très belle Tiens, formation mine naturelle. attends, je vais juste aller dans les options pour mettre le fauve à donf. Qu'est-ce que Ah non, c'est c'est que pas le fauve? Ah, le c'est. fauve, c'est pour le zoom. Ah Et c'était oui! pas ça que je voulais. C'était dans Video Sitting, le Brightness Modi. Ah bah Si tiens! vous le mettez à fond, en fait, vous voyez dans le noir, comme s'il faisait jour. Hein. Brightness maudit! Ouais, mets-le à fond, tu vas voir, c'est le bonheur. Il n'y a plus besoin de mettre de. Ah ouais, alors ça pour les vidéos c'est cool! Ah ouais, c'est génial pour les vidéos. Ah ouais, bah tiens, en plus je crois que j'avais dit dans Super Hostile qu'il y allait avoir une mise à jour similaire pour. Oula! Oh, on attend, faut qu'on les voit. Ouais. Et là, s'il y en a autant, Alors donc il y en voilà a les un. amis, pour repérer Je les les araignées entends. bleues, elles sont là. L'araignée Tu les bleue vois? est un spécimen très sauvage. Non, je faisais un peu Arte, donc ce que je te propose, tu veux, je vais parier. Ah, j'ai trouvé, ça y est. Attends, attends, moi, je voudrais les voir. Alors j'ai pas Regarde. trouvé d'araignée, mais j'ai trouvé le spawner. Oh. Donc là, tiens, je dégage un peu le passage. Allez, Ah, un bam. zombie. Barre-toi, zombie. Alors à savoir que pour. Comment dire, pour casser les toiles d'araignée en. Voilà, une Ah, araignée bleue. attention! C'est bon, on perd pas de vie. Donc voilà les araignées bleues. Donc pour casser les toiles sans créative, vous faites ça avec une cisaille. Donc ne casse pas le spawner, Oui. on va bien le Ah, tiens, dégager. voilà une autre. Ah mince, je vais remettre une torche. Voilà. Donc les araignées bleues, elles ressemblent à ça. Elles ont le même signe que les araignées normales. Et en fait, elles vous piquent quand elles vous frappent. Et Elles donc sont vous. plus petites et je crois qu'elles nous empoisonnent. Et alors, comment on récupère la vie? L'empoisonnement s'arrête et donc comme dit dans l'épisode précédent pour tiens attends ne la tue pas je vais mettre en survival pour qu'elle m'empoisonne comme dit dans l'épisode précédent pour récupérer la vie il faut que la barre de faim soit pleine voilà alors là l'araignée va m'attaquer donc là vous voyez ma vie qui ne devient pas verte elle ne m'a pas empoisonné Je la tue ou pas? j'aimerais bien sinon je vais mourir dans trop de souffrance C'est vois-tu. ça. Voilà, elle est morte. Donc c'est Ouh, un. ah, il y a un creeper. Oh c'est mignon. C'était un charmant fail puisque bah normalement elles vous empoisonnent les araignées bleues. C'est bizarre qu'elle Donc les alors mette là. donc elles sont plus petites et elles passent dans un bloc. Enfin quand il y a un trou elles passent dedans. Contrairement à leur petite sœur. Là, il y a un autre spawner, je crois. Là. Pas Ah. su pas sûr parce que comme c'est pas loin du donjon. Ah bah après peut-être on va voir. Mais ce serait un peu une chance de J'arrive pas à cocu. rentrer, attends. Attends, tu veux que j'essaye? C'est bon, ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Ouais, du j'ai graphite. failli t'en souvenir. Ah, ça aura fait des ordres. Donc, pour retrouver un spawner d'araignée bleue, suivez l'étoile. Quelle étoile? Non, les. Ah, L'étoile. ah, d'accord. Bien joué. Tu veux l'étoile. Oui, bah, bien joué, j'aurais pas pensé. Donc, du minerai apparent. Bon, les mines, c'est vraiment un Ah grand. tiens, il y en a un là de spawner. Attends, et on a vraiment de la chance là d'en trouver aussi proche. Allez, viens, venez les copecs. Je Tu vais veux que m'entraider. je te mette en survival pour que tu perdes la pour qu'il t'empoisonne? Ouais, d'accord. Je te mets en survival game mode below let 0. Bonne chance. Alors, tu viens me piquer le Par verre? contre, Voilà, viens. Alors. est-ce que ta vie devient verte? Pourquoi ça fait ça? C'est bizarre. Non, C'est normal. vrai que c'est bizarre, normalement on est censé devenir vert. Non, normalement la vie devient. Ah! Est-ce que. Alors en fait, il y a trois araignées bleues qui me prennent en. Enfin bon, bref. C'est assez. Regarde, elles ont planqué un coffre. Il y avait un coffre, Lynn. Où ça? Il y avait un coffre il y a 2 secondes. Ah, je l'ai pas cassé. Ah merde, attends, j'espère que je l'ai pas pété. Oh merde, quel boulet. Attends, je l'ai pas vu. Non, je vais passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Un squelette. Ah, par contre, l'étoile, c'est un peu chiant. Donc, les. Toile d'araignée, bon. Je précise, c'est un petit peu chiant parce que ça vous ralentit bien. Ah, c'est clair.
ce qui permet aux araignées de venir vous faire la peau pendant ce temps-là. Donc voilà, donc les mines conduisent sur des kilomètres et des kilomètres de galeries souterraines et même des kilomètres et des kilomètres de mines. Ce qui fait que pour se retrouver dans une mine naturelle, c'est assez dur parce que ça va vraiment dans tous les sens. Donc je vous conseille de placer des torches de redstone, des lames de couleur pour vous y retrouver en fait. Un petit Enderman, ce serait bien aussi. Comment ? Un petit Enderman à leur montrer. C'est vrai que ce serait bien vu qu'on a bêtement, enfin j'ai bêtement tué les derniers. Faudrait aller dans la crevasse et en trouver, en fait. Ouais. Ou lorsqu'on préfère, on va dehors, on remet la nuit et on attend d'en trouver. On fait ça ? Ouais. Voilà, vu qu'on a vu tous les biomes. À tout de suite, les amis. On fait une petite ellipse. À tout de suite. Regardez, on a des Enderman là en bas. Voilà, donc deux Enderman. Alors, on ne les regarde pas. Je crois que t'en as regardé un parce qu'il te suit comme un. Monsieur, alors, il se tépait sur vous dans ce cas-là. Vous voyez ? Voilà, donc je te laisse avec ton nouvel ami, je vais avec l'autre Enderman. Merci. Donc moi je vais à terre. Et donc là nous avons l'Enderman qui ont des petites pupilles violettes. Vous les regardez, et là, c'est le drame. Et là, vous voyez, ils font des petits. Alors des là, petits trucs. J'ai mon curseur sur lui, il en a rien à foutre. Mais allez, tête de con. Ah voilà. Au secours, Bilou, non. Donc voilà les Enderman, alors ils prennent des blocs. Alors moi je le tape et il me regarde et il fait rien. Bah en fait, comme on est en créatif, on prend pas de dégâts. Ah oui, donc mais on a pas pu voir. Sinon, les Enderman ne font pas très mal. Ils vous enlèvent un cœur et demi par coup, je crois. Ouais. Et là, heureusement qu'on vient de les trouver parce que les Enderman sont sensibles à l'eau. S'ils se prennent de la pluie sur la gueule, ils prennent des dégâts. Et s'ils plongent dans l'eau, ils prennent des dégâts également. Je pensais qu'ils brûlaient, moi, quand ils étaient en contact avec l'eau. Techniquement, c'est pas possible. Parce qu'ils seraient éteints par l'eau aussi. Donc, à programmer, ce non, serait pas. Regarde. Quoique, non. Oui, parce que si, quand ils touchent l'eau, ils s'enflamment. Bah écoute, moi dans la série Maman Craft, j'en ai trouvé un, j'ai voulu aller le voir et il s'est mis à pleuvoir et le machin il a brûlé. Il faisait pas jour en même temps? Je sais plus. Parce que c'est possible. Ah bah il y en a deux autres là-bas. Et d'ailleurs là ils prennent cher parce qu'ils sont sous la pluie. Couillon. Ils sont sous la pluie. Tu vois ils deviennent tout rouges. Alors il y en a mais un. Non ils brûlent pas en fait. Mais non ils prennent des coups. Par contre, lui, what the... Il y a eu un éclair. Moi, franchement, j'ai un bon feeling avec les Enderman. Je les aime bien. Bilouette, est-ce que dans ton Minecraft, il ne pleut plus non plus? Ah mince, bah là, c'est... Je crois qu'on il a eu... Il pleut. En fait, il y a un espèce de microclimat à un endroit. Ouais, là... Où je suis, il pleut pas. Ah ouais, c'est vrai. Et avec les éclairs... Et franchement, la lumière des éclairs est plus vive qu'avant. Donc, avec le nouveau système d'éclairage, c'est... C'est assez stylé, je trouve. Où es-tu ? Alors, est-ce qu'on n'aurait pas... dans le biome sable derrière. Ah oui, elle est là, Bilou. Donc là, tu te fais poursuivre par ton plus grand un ami. Creeper. Voilà. C'est mignon. C'est mon copain Creeper, il peut pas se passer de moi, que veux-tu ? Viens, moi, je suis bien par maman. Oh, oui. Maman, elle te ça va te bien la gueule. Et d'ailleurs... D'ailleurs, je vous rassure, je ne fais pas comme ça avec mes enfants. Je vais avoir maman. Pan. Prends ça. Oh non. Et d'ailleurs, viens voir. T'es où? Parce que là, tu me vois? Là, je vois une petite Bilou qui vole là-bas. Donc, je suis en face de toi, derrière. Là, tu vois un bricoleur fou en salopette à gauche. Non. L'autre gauche. Voilà. Oui, c'est bien, je l'ai fait. Et donc ici, tu peux remarquer que désormais, les cannes à sucre peuvent aussi apparaître sur le sable. Ah, c'est yes. Hein. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus courant. C'est cool. Donc c'est pas mal, quoi. Et donc, c'est sous un ciel orageux et un lac de lave apparent que je pense que nous allons pouvoir nous dire au revoir, puisque nous avons fait, nous avons fait le tour de cette magnifique mise à jour, n'est-ce pas, Dame Milolette? Tout à fait. Donc, je vous dis à plus, et on vous reprend dans un épisode prochain, chacun notre tour. Voilà, allez, bye bye. Salut. Salut, Flambius.